Salut les ghouls, c'est MoneyMonster67. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo exclusive car j'ai énormément de trucs à vous montrer. Donc, nous allons commencer par. Attention, attention. Une immense Claudine. Une immense Abby. Donc, moi, je lui arrive là. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est plus grande que moi. Donc, elle doit faire sûrement 1m40. Vu que je suis 1m36, je suis petite pour mon âge de 12 ans. Donc voilà, me demandez pas où c'est que j'ai acheté, car c'est un copain de ma mère qui travaille à un magasin de jouets qui nous l'a donné. Après, je vais avoir Operetta et Claudine. Voilà. Mais la vidéo est loin d'être finie, car j'ai aussi reçu aujourd'hui Cléo de Nil en photo. Voilà, magnifique. Donc, sur le haut de la boîte, nous voyons une bande avec Cléo, Draculaura, Obi, Spectra, des étoiles, le logo Monster High, écrit Monster High sur le côté, la belle Cléo de Nil est marquée Cléo de Nil là. Ici, nous avons des bandages. Sur le côté, nous voyons la poupée comme ceci. Et derrière, nous avons tout ça. Donc, je ne vais pas vous présenter parce que sinon, ça va être long. Et sur le dessus, il y a marqué Cléo de Nil. Voilà. Donc, je vais déboxer la poupée. Et nous vous appellerons. Et je vous fais la revue tout de suite. Et voilà. Donc, Cléo de Nil est vendue avec brosse et ça. Donc là, vous pouvez admirer le fond de la boîte. Donc il y a son petit carnet avec les autocollants à l'intérieur. Alors, elle est livrée avec une petite pochette. Donc le devant, donc elle est entièrement dorée. Donc là, nous pouvons apercevoir des bandages. Puis là, deux petites ailes. Et quand on ouvre, comme ceci, nous voyons du petit trait et le crâne de Monster High. Voilà. Elle est vendue avec un sac bleu translucide. Donc ici, c'est des espèces de petites écailles. Et puis, nous voyons un scarabée doré. Et il s'ouvre un tout petit peu. Voilà. Le translucide, c'est vraiment très magnifique. Ensuite, donc elle a toujours ses cheveux noirs, méchés de mèche dorée. Et en dessous, elle a des. Elle a les cheveux couleur bleu du Nil. Donc ensuite, elle a une petite frange. Donc là, ensuite, elle a un maquillage doré. Bleu et rose et les lèvres bleues. Voilà. Ensuite, elle a un double bracelet qui fait à peu près une montre et dessus on a un petit scarabée noir. Voilà. Ensuite, voilà, petit scarabée noir. Ensuite, elle a une ceinture dorée avec un scarabée noir et encore un rectangle noir. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Ensuite, elle a une belle tunique bleue, foncée, avec des bandages bleu clair et noir. Elle a un legging doré, rayé de noir. Et ses chaussures sont. Alors, ils sont bleu foncé, c'est des bandages qui font
tout le pied. Et ses talons, bah, sont des ailes dorées. Voilà, vraiment très beau. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué. Donc je l'ai acheté à Cora Vandenheim. Et vraiment pour un prix pas cher. J'ai eu à... Si on arrondit, 30 euros. Voilà, et maintenant, le troisième et dernier truc. Franchement, qui est aussi beau. Et je l'ai eu à Maxiteuil. C'est le café de Scaris Monster High. Alors, nous voyons le logo Monster High avec écrit Monster High sur le côté. L'étoile d'araignée arabesque. Donc ici, il y a marqué café. Scaris avec la tour Eiffel. Donc, hier, j'ai regardé une vidéo. Et c'est une fille qui avait pareil, sauf qu'elle avait dit la Monster Eiffel ou un truc comme ça. Alors que c'est la tour Eiffel. Donc, Monster Eye sur le côté de la boîte. Et les têtes de mort avec les bérets. Et là, nous avons le café. Et sur le côté de la boîte, nous avons des photos. Voilà. Donc, je vais déboxer le café et je vous fais la revue tout de suite. Donc, voilà le café. Donc, avec le café, nous avons le droit à une Claudine en carton qui boit son petit thé. Ici. Normalement, c'est comme ça. Donc, nous allons commencer. Donc, il y a un banc bleu turquoise ou bleu de Nil. Donc, toile d'araignée. Que des toiles d'araignée. Et nous avons juste ici une tête de mort. Voilà. Très joli. Nous avons une chaise, donc pareil, toile d'araignée. Alors, ici, nous avons un crâne Monster Eye avec des cornes. Là où on pose nos fesses, c'est le crâne de Monster Eye. Voilà, c'est très beau, très bien fait. Donc, il y a une table faite toujours de toile d'araignée violette. Pour tenir le parasol, nous avons une branche d'arbre. Et dessus, c'est, je pourrais pas vous dire, un truc qui coule. Avec des toiles d'araignée. Et ici, nous pouvons approcher les citrouilles du lycée. Voilà. Donc, ensuite, donc, le café est rose avec un pare-soleil bleu turquoise, toujours translucide, et des roues bleu turquoise. Et les poignées sont noires. Et ceci, c'est ce que l'on accroche sur le parasol. Donc je n'ai pas pu le mettre parce que je dois faire vite. Ensuite, nous avons une petite cafette, donc noire, avec des espèces de petites tasses à l'envers grises. Et ça tourne. Voilà. Ensuite, nous avons un petit meuble violet en toile d'araignée. Et dessus, donc, il y a une petite tasse rose avec un visage dessus. Oui, un visage. Un mini gâteau jaune avec une toile d'araignée. Un gobelet bleu translucide avec quelque chose qui coule sur le dessus. Et encore un mini gâteau. Et le plat, c'est... C'est noir, toile d'araignée. Alors, le gâteau est rose foncé. Et le dessus est rose clair. Ça coule. Et voilà. Donc, ma longue vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez des j'aime, des commentaires. Et à la prochaine. Bisous.